comme ça avec mes players. On va faire une vidéo. Je vais vous montrer tous mes maillots que j'ai de rugby. C'est parti. On peut déjà commencer avec celui-là que je porte. Hein. Numéro 1 avec celui de Toulouse. Avec le numéro 2, celui des All Blacks. Hein, qu'on connaît bien les All Blacks. Numéro 3. Le maillot de l'Angleterre avec les lignes, comme ça. Numéro 4. Encore un maillot de l'Angleterre. L'ancien, celui de l'année passée, mais j'ai pas le nouveau. Encore de l'anglais. Celui-là, l'ancien, encore avec l'autre. Un Irlandais. C'est pas vraiment un maillot. Ah ben là, regardez là. Là-bas il y a un maillot de Manchester. C'est pas vraiment un maillot, mais je tenais à vous le montrer. C'était France. Le truc de la Coupe du Monde. Oh, l'Italie. Attendez. Italia avec ça. Maintenant l'ancien du Stade français. Un ancien. Celui-là, je l'adorais. Il m'en reste encore. Oh. Le maillot de l'Écosse. Avec les longues manches. Avec le tartan. J'ai le blanc aussi. Mais je ne l'ai pas ici. Non, je vais vous montrer mes polos et tout, très bien. Maintenant, j'ai du Rockfield avec le pull Rockfield. Le William Webb Ellis, le Gold. Field, un t-shirt New Zealand classical black, encore Nouvelle-Zélande, je vais pas vous montrer que mes maillots, je vais vous montrer aussi mes polos et tout, hein, et mes trucs de supporter. Celui-là, l'Arlequin. Maintenant, on passe au truc de supporter. On va commencer par... Ouais, nickel, le ballon que vous voyez dans la plupart de mes vidéos. C'est le ballon de Toulouse, quand j'ai été faire mon stage à Toulouse. Oui, parce que... Un stage de rugby à Toulouse. Et j'ai bien aimé. J'ai joué sous 40 degrés, mais j'ai bien aimé. On va faire encore avec du Toulousain, la casquette toulousaine, la boutique du stade. Voilà. On va partir sur de l'anglais encore. Ça, vous voyez, c'est pour mettre ici. J'ai ça. Un truc que j'ai acheté en Angleterre quand je suis partie à Londres avec l'école. Ça, la boutique officielle de la Coupe du Monde. Ça. Et maintenant, l'écharpe de l'Écosse. Ouais. Bon. Ah non, il me reste quelque chose.
maintenant on va passer aux jeux de l'Écosse, de rugby et les livres et tout ça. On va commencer avec ce jeu. C'est un jeu que j'ai reçu en partant au stage de Toulouse. C'est avec un ballon et tu dois jouer dessus, etc. Puis on va avoir les jeux PS3. J'ai trois jeux PS3. J'ai d'abord le Junalomu Rugby Challenge, le premier. Puis j'ai le Junalomu Rugby Challenge 2. Puis j'ai acheté ça le jour de la finale de la Coupe du Monde. Maintenant on va passer au livre. Attendez, j'arrive. Voilà, le rugby. C'est le rugby. C'est un truc. Et ici même, regardez, il y a des grippes dessus. Puis maintenant, on va passer à un autre livre. C'est les règles du rugby. Puis on va passer à encore un autre livre. La BD là avec les rugbymen. Puis encore un. L'almanach du rugby. Oui, je pense que j'ai encore un. Attendez, j'arrive. C'est à peu près le même, mais avec le spécial gold. C'est avec un... C'est une genre de BD. Marrante. Et moi, je trouve que c'est très marrant. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et... abonnez-vous surtout. C'est le truc qu'il faut faire.